Eh bien, c'est tout le monde, c'est Mister Bebug 45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve non pas forcément pour une nouvelle vidéo, mais carrément pour une nouvelle série. Nous sommes sur Resident Evil 4. Évidemment, je pousse l'accent américain jusqu'à son apogée, j'ai envie de vous dire. Je vous avais dit que j'allais reprendre les vidéos à tâtons, à cœur, parce que j'avais besoin de 2 mois de repos. Je savais que No Man's Sky ne vous plaisait pas, mais j'avais besoin de ce repos. Je voulais pas me forcer et sortir du No Man's Sky. C'était pour vous dire, les gars, je suis vivant, ne vous en faites pas, mais j'ai besoin d'un peu de repos. Et donc là, je suis reparti pour 1 an de pure folie sur YouTube. Donc on est parti pour ce let's play Resident Evil 4. Mon Dieu, quelle histoire! Je vous avais proposé un sondage, vous avez le choix entre Dead Rising 1 et Resident Evil 4 HD Remastered sur PlayStation 4. Vous avez choisi RE4, car à mon avis, pour vous comme pour moi, c'est énormément de souvenirs. Il faut savoir que je suis fan inconditionnel des Resident Evil. Je les possède tous sur GameCube, PlayStation 1, Dreamcast, Nintendo 64, l'épisode 2 seulement qui est sorti. Et celui-là, j'ai dû le faire et le finir au moins 8 fois sur PlayStation 2 à l'époque. Donc là, nous sommes sur PS4. Attention, il va y avoir un petit coup de vieux hein, quand vous allez voir forcément les textures. Mais quel plaisir, les amis, quel bonheur. On va revivre une aventure ensemble, une aventure horrifique, zombifique, je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler, mais une aventure en attendant Resident Evil 7. Et il est possible qu'on aille sur Resident Evil 5 et 6, si jamais vous voulez la continuité de l'histoire directement. On est parti les potes, nouvelle partie sur ce Resident Evil 4. Je me suis entraîné. Il faut savoir qu'il y a de l'entraînement derrière. C'est un plaisir de vous proposer ce let's play à l'ancienne. On est parti pour la première cinématique. Mon Dieu, j'adore. Ça me fait vibrer. Rien que cette musique et ce résumé me fait vibrer. Murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow, crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. Écoutez-moi cette petite musique, les amis. Oh, j'ai envie de bouger mon boule dessus. Oh putain, j'ai envie de bouger mon boule dessus. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Damn, les textures! C'est le premier coup, les gars, c'est le premier coup. Vous allez très vite vous y faire. To take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's
freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. On peut dire que Leon a bien grandi quand même, hein. Leon S. Kennedy bien évidemment. Nous voici pour la toute première fois en dehors des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en Europe et plus précisément en Europe de l'Ouest, en Espagne bien évidemment. Eh les gars, on est dans le pays des suceurs de chorizo, ça va me casser les couilles. Je vais vouloir brûler tout le monde, arrêtez-moi putain. Donc niveau maniabilité, c'est un petit peu robotique, mais vous inquiétez pas, avec moi, ça risque d'être relativement fluide. Étant quand même fan du jeu, les retournements rapides, je connais plutôt très très bien, et la visée, ça va le faire. Normalement, tout va bien se passer, vous n'avez pas à paniquer. Donc, on se fait quelques petits pesetas. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Une spinelle. Ah là là, on va revoir notre vendeur préféré. Bienvenue dans ce Resident Evil qui va changer énormément de choses à la licence. En bien comme en mal. Alors en bien parce que ce Resident Evil est clairement un des meilleurs Resident Evil. Mettez-vous dans le contexte de l'époque, on ne sait rien. Umbrella Corporation est censé être totalement couvert de dettes, plus existant tout simplement. Raccoon City a été éradiqué de la surface de la Terre avec un lanceur nucléaire. Donc je vais sur la gauche de la maison parce qu'il y a une petite caisse. Oui, je connais bien le jeu, hein. Je vous avais dit que je connaissais bien le jeu et j'ai tiré comme un connard. Comment gâcher une balle pour rien, j'en suis désolé, je connais bien le jeu mais j'ai trop ouvert ma gueule. Donc comme je vous disais, c'est quand même relativement... Il n'y avait pas un truc me semble-t-il, si on va sortir par la fenêtre, mais je crois qu'il y avait un truc planqué vers le haut. Ce jeu a révolutionné énormément de choses. C'est le mystère, on ne sait rien. On sait qu'on est en Espagne, on entend des bruits chelous, il y a quelqu'un pas loin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce le virus T qui transforme les gens en stupides zombies? Est-ce autre chose? Quoi qu'il arrive, ça rend l'action... C'est robotique, certes, maintenant, mais pour l'époque, ça rend l'action beaucoup plus dynamique d'être en TPS, d'avoir la caméra juste derrière. On est parti. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Freeze. Is it freeze? On est parti pour le premier chorizo, on va arracher ça. Donc pour économiser des balles, une balle dans le pied, un coup de pied latéral et on achève ça au couteau. Et normalement on est tranquille, il n'y a plus aucun souci. Voilà, donc je vous ai appris comment économiser des balles. Que se passe-t-il? Où sont mes collègues flics? Shit.
toute évidence, ils sont plus là. C'est parti. Eh, hey, petit coup de taki-walki, sachant qu'il y avait des ennemis juste devant la maison, ça fait toujours plaisir. Alors, elle, il me semble que Hunnigan, elle va nous casser littéralement les couilles. Genre, vraiment. C'est la meuf derrière son bureau, elle fait des papiers. Ne restez pas là, allez au vidage, voilà. Allez vous faire enculer. Quelqu'un a voulu vous hacher? Les gars, c'est pas un problème. Allez vous faire enculer, ça fera plaisir. Ce n'est pas un zombie. Ça, c'est quand même une phrase relativement intéressante, je trouve. Parce qu'on sort quand même... Dans Resident Evil 4, on est là en mode, si c'est pas un zombie, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils ont tué beaucoup de monde, effectivement. Il y a quelques crânes. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que je vous propose. Normalement, ils doivent être devant la maison, je sens que j'ai pas envie de vous dire. Hein. Donc, on va ouvrir. Ah, c'est bloqué! Ah oui! Ils nous forcent à sortir par une fenêtre. Et plus précisément, la fenêtre du haut. On va y aller. On va essayer de les prendre un petit peu à revers, j'ai envie de vous dire, hein, suite à mon expérience, bien évidemment, incroyable. Donc, c'est parti! 10 munitions, on va voir le menu après, mais vous allez voir, c'est assez simplet. Et le menu était aussi une petite révolution. Oh, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Allez, dégage. J'étais pas prêt à autant de. Autant d'effets de surprise à la faux comme ça. Donc. Voilà. Hop, on peut peut-être en avoir 3 pour le prix d'un. Eh, 3 pour le prix d'un, c'est quand même beau ça au couteau. Allez, on ramasse tout ça, 1000 pesetas, 1300 pesetas. Oui, parce que c'est des pesetas dans ce Resident Evil, hein. Vous l'aurez compris, on est en Espagne, les mecs. On va pas payer en morceaux de, en morceaux de chorizo. Alors, on continue, les potes. On a réussi notre objectif. C'est plutôt incroyable, vous entendez? Il y a un chien ou un loup. Bon, je sais ce que c'est. J'aime entretenir le suspense, je vais pas tout vous dire d'avance. On ramasse plantes vertes, ça c'est plutôt cool. Alors, faut savoir qu'il y aura des serpents dans les caisses. Donc va falloir faire quand même relativement attention, d'accord? Je sais plus à quel moment ils apparaissent exactement. On sauvegarde! La machine à écrire, incroyable. Putain, dommage qu'elle ait disparu dans le 5, dans le 6, dans le 7, dans le 8, dans le 12. J'espère que dans le 7, elle va faire son grand retour. Resident Evil 7 a l'air très corsé, les gars. Je pense qu'on va prendre tarif. Je vous le dis très honnêtement, je pense que ça va pas super bien se passer. On est parti. Normalement, il y a un corbeau ici. On prend, hein, on prend les mecs, ça fait des pesetos. Hop. Au pire, on sera à court de munitions. Comme disait ma grand-mère en espagnol, sa mère, hein, c'est pas trop un problème. Une grenade, c'est plutôt intéressant, ça. Hop, frérot! C'est rien, j'arrive, mon grand. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la patoune! Allez, on est bien. Repart, frérot. Donc maintenant, va falloir faire gaffe aux pièges à loups. Évidemment, on va pas tirer dessus. On va les faire au couteau pour économiser un maximum de balles. Et on est bon. On est bon, me semble-t-il. Attention que je marche pas dans un piège à loup, ça me rend un petit peu fourax. Ah, je t'ai vu. Coucou frérot. Alors, vas-y. On a enclenché, on l'a un petit peu provoqué, ça fait plaisir. Attendez. Allez, ça rentre à la maison. J'ai pas gâché de balles, c'est plutôt un plaisir. Il est mort, hein. Il est mort, regardez. Il a les yeux ouverts. Nous sommes bien évidemment en synergie. Je pense qu'il n'a pas pu survivre malheureusement. On va passer par là. Il ne me semblait pas qu'il y en avait qu'un. Attendez. Messieurs? Le début du jeu est quand même pas évident. Quand on ne connaît pas spécialement les touches ou quand on ne maîtrise pas totalement. Faut pas croire, mais ce Resident Evil 4, le début, faut quand même rester accroché. Hein. On a quel gun? Il est où? Messieurs? Il est dedans. Parce que des fois, il y a des petits effets de surprise. Wesh! Ah! Oh putain, mais que je suis con! La classico! La classico, les gars! Bon, ça, ça, ça dégage. Vas-y, viens, frérot. Voilà. Allez, ça dégage. C'est mort? Non, il y a la musique. Là, c'est mort. Hein, les Resident Evil, le classique, quand il y a une tache de sang par terre, c'est que le zombie est bien mort. Et ça, c'est beau, ça. Ils y avaient pensé déjà à l'époque, et ça persiste. Bon, on va retourner voir notre sœur. Tu m'as fait peur, toi, quand même, hein. J'avais oublié, l'égalité des sexes semble de mise ici. Ouh là là, attention. Attention, les féministes vont débarquer sur ma vidéo, les mecs. Ça s'est pas passé comme prévu. Il faut que je la trouve vite. Eh, hey, les gars, c'est la fille du président des États-Unis d'Amérique, d'accord. C'est pas Barack Obama, vous l'aurez compris. Parce que bon, là, mais il faut quand même aller la sauver. On n'est type pas. Oh, il y avait rien dans la caisse. Petite part de déception de mon côté. C'est vrai que l'Espagne, ça régale pas autant que ça. On pensait que ça régalait beaucoup plus. Là, il y a des frérots là-haut. Ils vont nous envoyer des rochers dans la gueule. Salut. Hop, je pourrais vous arracher. Mais tu sais quoi? Je te laisse, mon pote. Je te laisse. Je te laisse envoyer ton petit caillou. Moi, j'ai pas peur, moi, des cailloux. Ah, vous l'avez vu? Attendez. Œil de lynx, m'appelle-t-on? Ah non, c'était l'arbre. Non, regardez.
Bah alors, oh, la mort nulle. Oh bah toi tu resteras dans l'annale de ce jeu comme la mort nulle du premier épisode. Ah, ça c'était terrible. Ah, il est mort. Je suis vraiment déçu. Je pensais vous offrir un minimum de spectacle, relancer un petit peu la ferveur, si vous voyez ce que je veux dire de la musique, mais pas du tout, pas du tout. Alors faut savoir que mon pistolet, vous allez voir, on va étudier les armes tout à l'heure. Il y a un système de chance de coup critique, etc. Et bah là, je lui ai mis un coup critique. Hein. C'est sûr qu'il a pas survécu. Il a pas survécu bien longtemps, si je puis me permettre, bien évidemment. Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. Bad question, Hannigan. Qu'est-ce que tu fais, Hannigan? Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. D'accord. La prochaine fois que tu m'appelles, évite de me proposer un manuel de jeu, d'accord. Hein, je veux pas faire le ricain, mais je le connais suffisamment bien maintenant. Hein, qu'à l'époque, c'était utile. Allez, on va regarder aux jumelles. On va voir un petit peu comment ils vivent en Espagne, n'est-ce pas? Hein, le pur cliché. Donc, nous sommes dans un village en Espagne. Sans doute régné à l'heure actuelle par une secte très bizarre. Ça, c'est un frérot. Hein, c'est un frérot. On ne l'oublie pas, il reste dans nos mémoires. Et ça ça prend encore du foin. Voilà. Hein. Ils ont tous des faux. Putain, c'était quand même beau à l'époque. On pouvait zoomer loin, sérieux. On rigole, mais... ah, il n'y a que des chapeaux de paille. Bon, allez, on va arracher ça. Messieurs, j'espère que vous allez bien. Hop, salut. Alors, on va enclencher la cinématique, parce que celle-ci n'est pas intéressante, n'est-ce pas? On va aller dans la maison. Normalement, ça va attirer le mec à la tronçonneuse. La plaie tronçonneuse. Wow, jetez pas vos trucs. C'est parti. On actionne la tronçonneuse. Je vous explique, ça va se passer très très vite. Ils vont donc appeler la tronçonneuse. Normalement, l'homme sac à patates. Il arrive. Il est là. Il est là, le frérot. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même de quoi aider. C'est une sorte de tutoriel, ils apprennent qu'on peut mettre des trucs dans le corps. Les gars, moi je panique pas, moi. Espèce de fils de pute. Voilà. Nous on en a rien à foutre, nous. Allez, on va direct à l'étage. Pourquoi? Parce qu'il y a ça. On prend le pont. Ensuite, parce qu'il y a ça. Il y a ça. Il y a les mecs qui tombent des escaliers. On n'est-y pas. Bon, enfin des escaliers, non. J'ai envie de vous dire de... Tiens. Allez, salut les potes. Homme à la tronçonneuse. J'ai très peu de temps pour l'arracher. Donc va falloir faire vite, d'accord? Va falloir faire vite. Donc on va faire comment? Hop. Voilà. On va essayer de le tuer relativement rapidement. Parce qu'il va donner un sacré bonus. Je crois qu'il est mort, hein. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. On va y aller aux pompes, hein. Nous, on n'a pas peur. Voilà, comme je vous dis qu'on n'a pas peur, c'est qu'on a réellement pas peur. Putain, c'était quoi ce bug de joystick? Voilà. On gâche un petit peu des balles de pompe, mais hey, c'est un plaisir. Voilà. Hop, hop, hop. Oh là là, la petite esquive de faux. Attention. Il est mort. Faut que tu meurs, frère. Tête de ma mère, faut mourir. Je vais pas résister très longtemps, là, quand même. Putain. Faut mourir. Non. Lâche-moi. C'est rien, les gars. C'est rien. On lui a fait péter la tête. Hop, 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 hop. Là, c'est quelque chose, là. Alors là, c'est terrible. J'ai voulu directement tuer le mec à la tronçonneuse. C'est pas grave, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Il est mort. Le mec à la tronçonneuse est mort. Arrêtez! Je lui ai à tout prix le bonus. Hop, on va faire tout le tour calmement. Ils vont pas tarder à partir tout seul. Mais en fait, il me faut surtout le bonus. C'est le plus important. Parce que le mec à la tronçonneuse ne rigole pas. Voilà. Voilà, ça dégage. Là par contre, les gars, vous êtes super chiants, hein, vraiment. J'espère que ça disparaît pas les bonus, ça me fait peur. Ça me fait peur. Un œuf, c'est pas mal, on va prendre et on va même carrément l'utiliser. Ça donne pas mal de soins. Oh putain, j'ai eu très très chaud. Voilà, allez les gars, s'il vous plaît. C'est pas cool. Donc là, on va retourner ici, il y a une herbe jaune. Plutôt intéressant, ma foi. Ok.
Normalement, on les a éloignés, on va pouvoir calmement retourner. C'est un système de temps, hein. Je peux ne tuer personne. Là, vous avez vu ce qui brille sur le toit? On va y aller tout à l'heure. Je peux juste tuer personne et il n'y a aucun problème, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je veux surtout ceci, les amis. Un putain de lingot, 10 000 pesetas, ça vaut réellement le coup. C'est pas mal, c'est comme si on avait tué à peu près 10 personnes. Oh, c'est sérieux, ça passe par là-haut, là? Donc, petite herbe. Allez, on prend, les gars, on prend. Ensuite, on va faire le tour du village calmement. Voilà. Ah d'accord, tu meurs pas. C'est quoi ces coups de joystick? C'est pas moi qui les donne, hein, les gars, vous avez vu? Des fois, je vais viser. Léon, il va regarder direct tout à gauche ou tout à droite. La célèbre herbe jaune. Une herbe rouge. Tiens, on va pouvoir faire un méga combo, ça, c'est pas mal. Hop. Donc, comment on va faire? Alors, le but de l'herbe jaune, c'est me redonner encore plus de vie. Vous voyez en bas à droite que ma vie est limitée à 5 carrés. Et bien, grâce à ça, on va pouvoir bien évidemment augmenter cette limite. Et ça va être plutôt cool. On va réorganiser son inventaire un petit peu plus tard. Pas de problème là-dessus, les mecs. Donc là, on fait le tour du village. Bon, ils sont un peu cons, hein. Faut les prendre en... Faut jouer un petit peu avec eux. Il n'y a pas de souci. Bon, faut jouer avec eux, les gars. Faut mourir, hein. Oui, Big Messi, ma gueule, là, Big Ressus, mais bon, là, faut partir. Vous êtes chiants, messieurs. Je sais que... Eh ben, calme-toi, t'as voulu me donner un petit peu à qui, là. D'accord, hop, ça rentre à la maison, ça rentre à la fin. Je veux pas mourir, quand même, c'est chiant, c'est bon. C'est bon. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Where's everyone going? Bingo? Et ouais, les mecs, on a fait que l'introduction. Et ça donnait des frissons à l'époque. Ça donnait des frissons. On est là, on essuie sa sueur. Il y avait un mec à la tronçonneuse, on l'a arraché. Alors à l'époque, on pouvait évidemment juste le fuir. Mais on est en mode, on a survécu à une invasion déjà d'enculés. Et c'était que l'introduction. Et ça, c'est bon, les mecs. Ça, c'est putain de bon. Alors je suis un petit peu blessé, je vais passer le début du jeu. Souvent blessé. D'accord, mais vous inquiétez pas. Ah d'accord. John Rambo, ma gueule. Mais vous inquiétez pas, ça va vite changer, je pense. Arriver peut-être chapitre 2, je sais pas trop. Je sais plus trop. J'avoue que j'ai des souvenirs quand même relativement vagues. Hein. Je fais le ricain qui fait genre, ouais, je connais pas mal de petits trucs, mais j'ai quand même des souvenirs assez vagues. Donc, on va fouiller tout le village. Mais avant cela, hop, voilà, parce que j'aime bien sortir en étant impressionnant. Le gars, au lieu de sortir normal, il préfère sortir en John Rambo. On va aller récupérer ce qui brillait tout à l'heure, je n'ai pas oublié. Parce que c'est quoi ça? C'est une spinelle, ça, non? Ouais, petite spinelle comme ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. Me semble que dans cette maison, il y a aussi quelque chose. Donc c'est très important dans ce Resident Evil, si vous voulez pas être au dépourvu, de tout fouiller. Il faut savoir qu'à l'époque, moi je vous raconte ma vie, hein, c'est la période de racontage de vie. À l'époque, je fouillais pas tout. Alors, je peux tirer dessus, mais je peux aussi économiser mes balles parce que deux coups de saton, ça suffit. Hop, on prend les 1000 pesetas, pesetos, negoritos, il n'y a pas de problème. On prend, c'est quoi, balle de pompe? Très bien, ça. Très, très bien, ça. Parce que mine de rien, le mec tronçonneuse woman, il m'a cassé les couilles. On va réorganiser vite fait tout ça. Donc, voilà comment je fais. On va mettre les îles ici, d'accord? Hein, ici. On va mettre les échantillons de soins ici et les munitions. On va les mettre ici. C'est plutôt pas mal. Ce système de valises va pouvoir évidemment être augmenté. On va avoir des valises L, XL, etc. Et on va avoir énormément d'armes qui vont arriver. Ça va être vraiment, vraiment cool. Vous inquiétez pas. On a réussi à tuer le mec à la tronçonneuse dans le temps imparti. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Parce que vous avez vu l'invasion qu'il y a eu. Croyez-moi que le temps passe très, très vite au final. Je crois que, si je ne m'abuse, voilà, il y avait une caisse ici. Un plaisir, on prend une herbe verte. Et si je ne m'abuse d'eux, ici on n'a pas fouillé. On n'est jamais venu ici, tiens. Hop, on va prendre. Voilà. On va fouiller. Oh,
Une petite smoke, ça c'est un plaisir là, les smokes, les mecs. C'était un plaisir. C'est vrai qu'en plus, on a trouvé deux grenades qu'on a dû utiliser relativement rapidement. Oh, les munitions qui tombent à pic, merci frérot. Frérot de la muchacho. Bon, y a des trucs à examiner, c'est genre des tables pour dire « Oh putain, ils mangent comme nous, qu'est-ce qui se passe, c'est incroyable. » Il y a toujours notre frérot qui crame. Lui, il y a que les pieds qui prennent feu, lui. Il y a une vache. Si j'arrache la vache, est-ce que je peux gagner quelque chose? Ah, je peux l'arracher. Quoi? Je rigole. Oh, damn, t'es sérieux, gros? Putain, j'étais pas prêt. J'étais clairement pas prêt. Bon, on a quasi tout fouillé. On a quasi tout fouillé, sauf en haut de la tour. La petite maison derrière dans la prairie au loin. Et là, normalement, on peut pas passer. Voilà, c'est verrouillé. Une sorte de symbole est visible sur la porte. Eh, t'inquiète pas, Rouya, on va trouver. Là, il n'y a rien, on est d'accord? Hein? Allô? J'ai cru voir quelque chose? Pas du tout. Putain, la vache, j'étais pas prêt. Mais littéralement, la vache, j'étais pas prêt à ce qu'elle m'arrache comme ça. On va grimper tout en haut. Alors, il y a un truc de pas mal dans ce Resident Evil 4, c'est que quand vous êtes en animation, c'est-à-dire monter une échelle, sauter par une fenêtre ou autre, vous êtes insensible au coup. Donc, vous voyez le mec taper comme un connard. Attention, les gens! Ça va, j'ai été surentraîné, les gars. J'ai été surentraîné. On va passer par là, ça me paraît pas mal, ça, non? En tout cas, c'est un plaisir de le refaire avec vous. Genre, vraiment, hein. Les gars, ce jeu, c'est un peu... C'était une exclusivité GameCube à l'époque. Voilà, on est en passage au racontage de vie. C'était une exclusivité GameCube, et quand j'ai appris qu'il allait sortir sur PS2, genre un an après, j'étais tout fou, parce qu'étant fan, j'étais frustré, je n'avais pas la GameCube, comme la plupart des gens, voilà. Et... j'ai appris qu'il sortait sur PlayStation 2 et là mon cœur s'est tout de suite bien évidemment emballé. Qu'est-ce qui se passe? Appel à la vigilance. Oh yes, c'est moi, je suis beau gosse. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis de Merrick se trouverait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Eh oui, on parle de la fille du président. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée. Non mais les mecs, putain, mais t'écris pas où elle est sur un papier, sachant que le mec peut tomber dessus, putain. Nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Elle restera là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'Américain des États-Unis d'Amérique s'approcher de cette personne. Nous ignorons. Ok. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit pas être un hasard. Alors, qui se cache derrière tout ça? Y a-t-il un rapport avec Umbrella Corporation? Et là, ça va nous rappeler quelques petits souvenirs. C'est ce Resident Evil qui va relancer un système d'épidémie. Je vais vite fait me permettre d'aller là-haut. Je crois qu'il y avait quelque chose sur le chemin arrière. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Là-haut, là. Voilà, il y a deux maisons. Enfin, une maison. Déjà pas mal, les gars. On va pas se plaindre, s'il vous plaît. On va faire la maison, là. Elle est plutôt cool. Ah! Putain, mais qu'il est con! Fuck you! Ok, j'étais pas prêt. Je vous avoue, je suis vraiment désolé, les mecs. Je me suis chié dessus pour une poule. Allez, on va recharger le pompe. Toujours avoir une arme rechargée. C'est plutôt cool. Et on va, hop, garder notre pistolet. Donc, il va y avoir le système de vendeur, qui va d'ailleurs apparemment revenir dans Resident Evil 7. Voilà, ça va nous permettre aussi de parler au fur et à mesure de notre aventure, parce que mine de rien, il sort en janvier le jeu, de parler des teasings qui vont approcher. On va jouer, enfin, quasi tout le jeu va se baser sur les Bakers, la famille Bakers, voilà, aux États-Unis d'Amérique, évidemment. Et ce n'est pas fini, oncle Jackie. Ça va jouer. Ah putain, attendez. Je peux sauvegarder ici ou pas? Ok, je peux sauvegarder. Me semble-t-il. Bougez pas. Yes! On va sauvegarder parce qu'on va, je pense, s'arrêter là. Vous voulez que je fasse le village vite fait? Ah, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, hein. Bon, allez. On va le faire, le village, parce que je vois que vous insistez. Vous avez la dalle, les mecs. On va faire ce village vite fait. Et on est parti. Donc, comme je vous disais, on va jouer toute l'énigme autour de la famille Bakers. Ça vous a peut-être pas échappé, mais il y a eu un petit truc assez sympa qui rappelle Massacre à la tronçonneuse et puis comment il s'appelle ? Détour mortel, voilà, le film où tu vois les Bakers en train de manger des tripes autour d'une table et toi, t'es un des invités à cette table et c'est assez hardcore. 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruiront 10 médaillons ou plus recevront... La suite est illisible. Une surprise, je suppose, n'est-ce pas ? Et donc, les médaillons ressemblent à... Il ressemble à quoi? Oh. J'étais pourtant sûr d'avoir vu un médaillon tout à l'heure. Ah! Les médaillons ressemblent donc à ça. Hop, okay. C'est rien, les gars. Putain, paniquez pas. Il y a des œufs un petit peu partout. C'est... Voilà, on va l'arracher. Quand même.
un chargeur complet. Bon, en comptant le fait que je vise comme une tanche, ça fait beaucoup quand même. Salut frérot. C'est quoi ces petits coups de boss que ça donne? C'est hyper désagréable. On refait la technique, hein, on s'arrête pas, toujours la technique aussitôt, pour gagner un maximum de... pour garder un maximum de munitions. L'œuf brun, il redonne énormément de munitions. Wesh les poules, panique up! Voilà, salut les frérots, y'a pas quelqu'un là-dedans? Wesh. Oh putain, j'ai cru qu'on me cavalait. Y'a personne. Aussi étrange soit-il. Et pourtant, y'a toujours la musique, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dans les parages. Y'a rien. Messieurs? Oh yes! Encore une spinelle! Alors ça, les trésors, c'est énorme. Ça va nous permettre beaucoup de choses, bien évidemment. Attendez, on peut faire un truc drôle. Il s'est passé quelque chose, là, non? Ouah! Calme-toi! Jean-Denis Brognard, tu sors d'où? Hop, alors on n'est pas bien. Wouh! Starky Hatch! Non! Allez! Double coup de pied latéral, moi! Toi, tu restes à terre, mon pote. Moi, j'ai pas peur des gens. Moi, j'y vais au couteau suisse, mon pote. D'ailleurs, en parlant de ça, le couteau est quand même l'une des armes de base de cette série. Hein, les couteaux... Ah, il y avait deux caisses en bas que j'ai oublié de prendre. Hop, caisse de mule. Je crois qu'il y a un truc relativement intéressant qui se cache. Alors déjà, hop... Voilà. Ouais, je connais un peu les médaillons, hein, les gars. Hein. J'ai pas de... Là, on peut croire que je suis une machine. C'est vrai que j'enchaîne pas mal. Mais comme je vous ai dit, ce jeu-là, je l'ai quand même pas mal tronché, surtout le début. Oh, ma petite shop. Très sympa, ça. Allez, hop. On prend, c'est un plaisir, c'est un régal. C'est un unen régal. Voilà, on fait des jeux de mots avec une égale dégueulasse. Mais c'est un plaisir. On prend les deux caisses. Ah, y'a rien dedans. Si c'est triste. Des pesetos, donnez-moi ça, les frérots. Ah, ça m'énerve qu'on soit en Espagne. Putain, j'aime pas l'Espagne, merde. Avec leur jajaja, là, quand ils rigolent. Vraiment, il y a des balayettes qui se perdent. Oh, frérot. Ah, bah, par contre, t'es bugué. Frérot, c'est rien. Ah, écoute, hey, je vais pas insister, t'as pas l'air en fait. Oh, je savais même pas qu'il y avait un... Wow. Attends, j'étais pas prêt, mec. J'étais pas prêt, on fait un grand tour. Il y avait pas un œuf ici. Ouais, il a disparu. Voilà, ça c'est comment leur empêcher de tirer leur... Ils sont relous à nous envoyer des fois à tirer la rigole là-dedans, là. Les gars, jouez le jeu un peu, là. Soyez tranquilles. Donc, il n'y a pas autre chose, là. Il me semble que dans la grange... Yes. Allez, on est déjà à 4, les gars. À 10, on est sur 10, c'est plutôt cool. On va pas s'en plaindre. 1000 pesetos, ça c'est plutôt cool. Yo, les vaches. J'ai compris, je vous provoque plus, les mecs. C'est bon, tranquille. Oh, frérot! Que des espagnolos! Qu'ils ont peut-être été un peu trop atteints par le virus. Rien, malheureusement. On peut back. Il me semble avoir vu un truc briller tout à l'heure. J'ai pas envie de faire l'américain qui se souvient, mais... Voilà, c'était là. Hop, ça c'est plutôt cool. C'est quoi? C'est un pendentif à perles sales! Ah bah merde, ça perd pas mal de sa valeur, cette connerie. On en est à combien, là? On en est à 4, 5 médaillons. On est pas mal, ma foi. Je crois qu'il y a un autre médaillon qui se cache. Laissez-moi voir. Il est là. Yes. Cette saloperie, il fallait le trouver quand même. On est déjà à 5. Plutôt cool, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas trop par où faut passer. On va fouiller ça, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là quand même. Alors, évidemment, vous allez voir... En fait, ce qui est bien, ce qui est fou dans ce jeu, c'est la cadence à laquelle tout va se passer très très vite. C'est monstrueux. C'est monstrueux, vous allez voir à quel point tout va partir en couille, les boss vont s'enchaîner, tout va s'enchaîner de toute façon. C'est une évidence, n'est-ce pas? Et c'est un plaisir. C'est une délectation. Ce jeu est clairement une délectation. Maintenant qu'on le voit, on peut se dire, ouais, bof et tout, mais il a quand même... Voilà, il y avait quand même le frisson, il y a cette ambiance qu'on ne retrouve pas, je trouve, dans le 5 et le 6. Donc... Clairement, ce jeu, il est fou. Il est fou, je cesserai de le dire. Je cesserai de le protéger, je crois, parce que... Attention, j'adore Resident Evil 0, j'adore Resident Evil 1, j'adore Resident Evil Code Veronica, un de mes préférés aussi. Mais celui-là, my God, il est juste énorme.
On va s'arrêter là les amis, n'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 2, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Moi en tout cas, c'est un plaisir de retourner dessus. Je vous fais la bise et je vous dis à très bientôt. La chaîne est de retour, vraiment à l'ancienne, avec des vidéos fun, let's play. Oh là là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Un plaisir, à très bientôt, bisous tout le monde.